La Corse n'est qu'une gigantesque montagne, très verticale dans le nord, et qui s'adoucit quelque peu vers le sud de l'île. Le relief n'en est toutefois pas moins tourmenté. Ci et là se dressent des barres rocheuses, comme d'infranchissables murailles, qui semblent littéralement jaillir du sol. Dès que le relief le permet, la végétation supplante le minéral, s'allie à lui, pour former un ensemble des plus sauvages, composé de vastes forêts d'où émergent d'imposants rochers, semblables à des sentinelles de pierre, des géants pétrifiés. Cet univers étrange n'est qu'un vaste désert d'arbres et de roches à perte de vue. Et ceux qui s'y aventurent ont rapidement conscience d'avoir pénétré un monde inconnu et secret, où règnent des forces surnaturelles très puissantes, pesantes et oppressantes. Tordus et leurs branches tombantes comme des griffes sont les seigneurs de ce monde hostile. Et voilà que notre intrépide Paul guide avec bravoure Karine à travers cette forêt dont il connaît les moindres détours. Dans la forêt de l'hôpital. Tu sais ce que ça veut dire, hôpital? L'hôpital, c'est l'hôpital. C'est ça. En montant de Porto Vecchio, il existait, il y a très très longtemps, juste avant d'arriver au hameau de l'hôpital, une petite chapelle qui servait en fait de lieu de repos pour les gens qui étaient atteints des maladies des marais, tu sais, à Porto Vecchio. Ouais. Donc ils montaient là pour se refaire une santé. Et puis, sur le chapelle, il y avait marqué Hospitium. Tu vois, on risque rien, là. Ouais, mais bon. Oh. Je suis pas très sûr, ici. Hein. En tout cas, elle est grandiose, hein. Ouais. C'est vrai qu'elle est un peu inquiétante, hein? Et oui, puisque dans la forêt, dans toutes les forêts d'ailleurs, il y a des êtres méchants, des êtres gentils. Les êtres gentils, ce sont les farfadets, les lutins, les fées. Mmh. Et les êtres méchants, il y a les trolls, les redcap, il y a les strègues, il y a certaines matières qui font peur. Ouais. Donc, il va se passer de drôles de choses la nuit ici, quand ouais, même. Hein. Ici, des crimes sordides, des histoires de sang. Mmh. Tu sais qu'il y a Mérimée qui est montée ici. Et John Togu, Mérimée. Et dans un conte, eh ben, il écrivait... En montant de Porto Vecchio, en rentrant dans l'intérieur des terres, on voit le chemin s'élever rapidement. Après 3 heures de marche, par des chemins tortueux, souvent encombrés de gros rochers et parfois même coupés par des ravins vertigineux, on arrive à la lisière d'un maquis très étendu. Si vous avez tué un homme, vous pouvez y aller et vous vivrez sans crainte. Avec un bon fusil, de la poudre et des balles. Et surtout, il ne fallait pas oublier le fameux manteau brun avec le petit capuchon qui servait alors de matelas et de couverture. Ouais. Les bergers vous donnaient à ce moment-là du fromage, du lait et des châtaignes. Et vous n'aurez rien à craindre de la justice et des parents du mort, à part peut-être les jours où vous redescendez en ville pour renouveler vos munitions. Ça veut dire que Mérimée, il est arrivé là. Lui, c'est un forestier, il n'est pas d'ici. Il est arrivé,
Il n'a rien eu. Après, il a raconté son histoire. Écoute, il s'en est sorti. Hein. Ouais, à mon avis, il n'est pas monté. Mais c'est vrai que dans ces forêts, il doit se passer des trucs super strange quand même. Tu sais, on raconte que des fois, les soirs de brouillard, il y a des espèces de créatures super bizarres qui sortent des bois. Et les femmes des montagnards, des forestiers, elles dormaient avec la faucille ou la serpe à portée de main pour se défendre en cas d'attaque. Mais c'est quoi les créatures? Eh bien, ça s'appelait des gramantes et des acachadors. Acachadors, je connais bien, ces espèces de sortes de... Comment tu appelles ça? Des zombies ou des fantômes qui sortent la nuit. Et par contre, il y a un voyageur égariste, il y a un randonneur, tu vois, qui bivouaque. Bobo, enfin, je nous vois là, coup de bâton, bam, ils fendent le crâne du voyageur égariste. C'est ça, ouais. Par contre, les gramantes, je connais pas. Ben, les gramantes, en fait, c'est des sortes de vampires avec des dents énormes. Et elles prennent l'apparence de voiles translucides et elles flottent comme ça dans les airs à la recherche de voyageurs égarés pour les vider de leur sang. Ah, c'est pire que les acachadors. Hein, mais moi, tu sais quoi, je suis pas très confiant ici. Tu vois, je vais me chercher... Un bâton. Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Parce qu'il y a des strègues aussi. Les strègues, elles sont très méchantes. Et tu vois, les strègues, il faut leur frapper trois coups, trois coups de bâton. Parce que là, c'est la Trinité, trois. Donc trois, elles tombent et ne se lèvent plus. Mm-hmm. Par contre, quatre, c'est pas bon. Et des fois, elles vont demander. Ah, toi, tu as tapé trois. Leur donner deux coups. Ouais, derrière. Papa, tu es fou. Chacun, quoi que tu veux acheter un gousi. Avec celui-là. Ouais, moi, je crois que je vais me le garder, ça, si ça m'aille. Moi, je vais me prendre celui-là. C'est bon de savoir, en tout cas. Ben, et ben. Là, ils peuvent toutes venir, les sorcières. Je les prends à coups de bâton, je les fracasse. Et regarde, fais attention, parce qu'il y a des strègues qui se camouflent en arbre. C'est vrai. La forêt de l'Hospédal est une de ces forêts ténébreuses de l'île, dense et inhospitalière, d'où se dégage une atmosphère à la fois étouffante et envoûtante. Elle forme surtout un massif très pentu et difficile d'accès, qui s'élève comme une barrière efficace entre le rivage de Porto Vecchio et les vallées fertiles de l'intérieur. Celles de l'Alta Rocca, les hautes terres, où les seigneurs corses avaient jadis édifié leur fief. Là, juste après l'ascension, en bordure de plateau, se déploie aujourd'hui un charmant lac artificiel, né d'un barrage construit sur un de ces nombreux fleuves qui prennent source dans le centre de l'île, près des hautes montagnes enneigées, et dévalent les pentes pour se jeter dans la mer. Sous la paisible retenue d'eau, de multiples cascades évacuent le trop-plein en direction du rivage, dans un bouillonnement assourdissant. C'est beau là. Ça descend fort, hein. Ça descend fort. J'attendais plus rien, tellement il y a du débit. Ouais. Je n'entends rien. Ouais, c'est un peu normal parce qu'en fait cette rivière, elle prend sa source du moins au lac artificiel, tu sais, au barrage là où elle se dalle. Et après elle descend. Et ça coule un peu. Hein. Ouais, en tout cas c'est un très joli coin. Hein. Ouais. Et toi, tu préfères la rivière ou la mer? La piscine. La piscine, ah, tiens, une vasque. Tiens, va te baigner là. Non, à choisir entre les deux, je dirais plutôt la plage. La plage, mais bon, il y a un peu trop de monde. Hein. Par contre, à la rivière, si tu te fais un chemin à travers la végétation, là, tu vas trouver un coin secret, tu vas être bien. Ici, c'est tranquille.
C'est joli, là, c'est tous ces tons de verre. Ouais. Et là, c'est beau parce que tu as à la fois des scobes hein, le long des berges, après, tu as quelques frênes, après, tu as des zones butineuses et partout, le pin maritime qui domine dans cette forêt. Ouais. En tout cas, c'est assourdissant, hein, quand même. Ouais, mais ça, c'est normal, ça bouillonne. Ah ouais. Il y a de la vie dans l'eau douce. Et l'eau douce, tu te ressources avec l'eau douce. Là, tu puisses ton énergie. Et après, on redémarre. Un bon plein d'énergie pour une longue traversée. Les torrents vigoureux qui dévalent les montagnes escarpées bondissent souvent de cascades en chute d'eau dans ce relief accidenté. La Piche du Gallo, la Pisse du Coq, figurent parmi les cascades les plus réputées de l'île, tant sa chute est impressionnante. L'eau sous pression est propulsée par un tout petit trou à flanc de falaise et jaillit comme le jet d'une lance à incendie à plus de 60 mètres du sol. Le décor est vertigineux, renversant de beauté. Magique aussi. Il est un hymne à la puissance de l'eau, qu'aucune montagne, même la plus solide, ne saurait arrêter dans sa folle course vers les rivages. Un hymne aux merveilleuses architectures de la nature, à la pureté de leurs lignes, alliant en toute simplicité eau, roche et verdure, que même le plus habile des ingénieurs ne saurait copier ou même partiellement imiter. Chaliade, le pipi de coq. Ouais, non, comme non. Ça, elle comme ça descend là. Ça descend fort, hein. Moi j'aurais mieux appelé un bichali ou yato. Le chat, il lève la patte, il fait pipi plus loin. Tu pas pipi comme ça le chat. Et comment? Comme un chat, ça c'est le chien. Alors on aurait pu appeler un bichali ou yagarou. Le chien. Le chien va plus loin. Voilà. En fait, tu sais, non, c'est. C'est du pipo, Ouyad. Nous on dit Ouya les goûts. Tu sais c'est quoi Ouya les goûts? C'est le sapin. Alors. Et dans le sud ils disent Ouya les goûts. Avec deux D, comme bavé la bavide. Ouais. Et ici derrière, enfin en dessus de la barre rocheuse, il y avait plein de sapins autrefois. Ouais. C'est pour ça qu'on appelle la cascade des sapins. Là, la pipi c'est du chat. C'est du chien. Ouais. En tout cas, c'est vraiment puissant. Hein. Cette eau qui va descendre dans la forêt de l'Hospédale et qui arrive là, wow, une chute de 60 mètres. 60 mètres T'imagines la puissance. T'as pas intérêt à être en dessous. Hein. Ouais, parce que là, si elle te tombe dessus, elle te sèche, assommée. Ça, c'est le pas à la Bézagne, hein, le ruisseau qui prend sa source dessus et qui se jette. Et après, ça dévale et ça va former l'Ouse qui descend à Porto-Vecchio. En tout cas, c'est impressionnant. Regarde-moi ça, ces barres rocheuses, ce granit. C'est hyper puissant là. Déjà pour venir là, c'est improbable. Ouais. Même très dangereux avec tous ces blocs. T'as vu le chemin là-haut? Ouais. Ouais. Déjà là, c'est quand même un peu impressionnant. Hein, ouais, mais c'est titan de descendre sur les rochers. Et en plus, c'est romantique à la fois. Regarde. Petit arc-en-ciel, regarde. Tu avais même prévu l'arc-en-ciel. T'as vu, la boudaine. Je suis même dans des beaux endroits quand même. Ouais. Là, moi, je vois bien le jaune. Le vert et le mauve, le rouge, je ne le vois pas. En tout cas, c'est grandiose. Abu Dhabi, ça. Là, quoi. L'eau, c'est vraiment la puissance. Regarde. Les pipis de coq. Moi, j'aime bien comme nom, pipi de coq. Je crois que c'est un animal mythique. Ouais. Tu sais qu'il est présent dans plein de contes et de légendes. Les Celtes aiment bien les coqs, et même les Français aussi. Là, je te parle du coq, celui qu'on entend dans les histoires, tu sais, dans le Niol, ou avec Saint-Martin et le diable. Ah ouais. Et le coq magique, la plante. Tu connais d'ailleurs l'histoire du coq, de l'âne, du chien et du chat. Le coq, l'âne, le chien et le chat. Bon. Tu connais pas? Alors, un jour, d'ailleurs, c'était pas très loin d'ici, hein, il y a l'âne qui s'est enfui de la ferme où il habitait
Il était très très vieux, hein, et ses propriétaires avaient décidé de l'abattre. Ah oui. Bah ouais, le pauvre ne servait plus à rien et il se traînait un petit peu. Donc bah, du coup, il s'est enfui. En chemin, il a rencontré un vieux coursine. Et puis un peu plus loin, un chat tout miteux qui avait dépassé depuis longtemps la date de péremption. Et bah, après, il tombe sur un vieux coq tout déplumé, tu sais, tout merde. Célibataire, voilà. un vieux garçon. Et donc tous les quatre, en fait, avaient fui la mort, hein, parce que les propriétaires voulaient se débarrasser, parce qu'ils étaient super vieux, ils ne servaient plus à rien. Et notamment le coq, il n'arrivait plus à chanter. Et du coup, les fermiers avaient racheté un nouveau coq tout fringant. Et bien évidemment, les poules préféraient aller avec le jeune coq. Et lui, il se retrouvait tout seul. Donc du coup, il était parti. Tout le monde. Voilà. On est bien dans la montagne. Et du coup, ben, on retrouve nos quatre compagnons qui s'en vont, comme tu dis, dans la montagne. Et on les voit commencer à grimper dans la montagne de l'Osquedal. La nuit commençait à tomber. Et ils avaient faim, parce que de toute la journée, ils ont marché, t'imagines. Et ils voient au fond de la clairière des lumières qui se rapprochent, et c'était une petite maison. Ils regardent dans la fenêtre, et ils voient le feu qui illuminait en fait une jolie petite table dressée avec quatre petites assiettes. Oui. À côté du feu de cheminée, il y avait quatre beaux figadets qui n'attendaient que d'être rôtis. Ah, alors du coup, ils regardent ça, ils se disent que ben, c'est la Providence qui a mis ce festin comme ça sur leur chemin. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils s'assoient et ils sont morts de faim, donc ils dévorent tout. Et puis ils s'assoupissent, le ventre bien tendu. Mais cette maison, en fait, appartenait à quatre voleurs qui s'étaient absentés pendant quelques heures pour commettre leurs méfaits. Et du coup, ben, ils tardèrent pas à rentrer. Hein. Alors, il y a le premier voleur, le plus jeune, et il voit les yeux verts du chat dans un coin. Pris de panique, il court comme un fou. Il croyait que c'était le diable, en fait, qui l'attendait. Quand il ressort, il y a le chef de la bande, il était quand même beaucoup plus courageux, il se moque de l'autre, et il rentre en faisant plein de bruit. Là, tu as le chat, il lui saute au visage. Ça fait mal, ça. Le chien, qui dormait, s'est réveillé en sursaut et s'est rué dans ses jambes. Au même moment, tu as le coq qui essaye de sortir un... horrible, tu sais bien, rauque. Et l'âne, il lui envoie une espèce de ruade de fou qui l'envoie traverser toute la maison. Donc évidemment, le chef s'en va en courant comme un fou parce qu'il croyait que c'était le diable en fait qui était venu les chercher pour les emmener en enfer. Et du coup, on dit qu'en fait, les quatre hommes ont dévalé de nuit toute la montagne jusqu'à Porto Vecchio. Et arrivés en bas, ils ont promis que plus jamais volerait quelqu'un. Voilà. Et on dit donc des quatre animaux qui sont restés là-haut, ben, qui sont morts, paisiblement. Heureux dans la montagne. Voilà, dans la petite maison. Ouais. C'est chouette, hein? Ouais, pas mal, hein? Imagine quatre animaux comme ça qui se sautent dessus la nuit. Ok, à Diabéo, hein? Ouais. Eh ben, en tout cas, si les coqs ils font pipi comme ça, ils vont inonder les basse-cours. Hein. Avec cette magnifique fontaine naturelle, nos quatre compères et tous les animaux de la forêt ne risquaient pas de manquer d'eau et de mourir assoiffés. Ils pouvaient sans souci écouler de paisibles jours heureux, à l'ombre de ces puissants massifs, bien cachés dans les entrailles de la montagne, là où personne ne viendrait jamais les déranger. Le massif de l'Hospedal se dresse ainsi à la verticale, comme les murailles d'un château. Il protège l'accès à un vaste plateau d'altitude, lui-même surmonté de sommets pointus et de crêtes, semblables aux murs crénelés des donjons d'antan. Il protège l'accès d'un monde encore plus mystérieux, une terre que l'on nommait jadis la Terre des Seigneurs. Tu vas pas passer là-dessous? Eh non. Oh, tu vas te faire écraser. Ouf. Tu es trop gros. Ah si, ça passe. Tu vois, je suis maigre. Ouais. Tu as eu de la chance. Passons le cartable. Tu es content, hein? Ouais. Eh bien. Mais...
Karine, je suis bloqué. Je me suis bloqué. Non. Mais c'est quoi ça? Comment on va faire? Je sais pas, mais j'arrive plus. Ça, c'est le pâté, hein. Je t'avais dit, hein. Oh là là, mais... Comment on fait maintenant? Tu prends pour qui, là? Je préfère ça, hein. Attends-moi. Oh. C'est le pâté qui me donne des forces. Tu devrais manger, toi. Ouh. Oh, le pâté. Faudrait manger que ça, alors. Allez, on monte. Hein. Allô. Waouh! Tu vois là, jadis, je plaçais mes hommes. En attendant, ils sont tous pétrifiés. Hein. Ouais. Pas mal ici, hein? Ouais. J'ai même un trône. Regarde. Dame reine, laisse une place sur le trône. Tu veux rentrer là? Pour le roi Apollo. J'arrive, tu vois. Le pâté, ça ne fait pas. Voilà. Le roi Polo, plutôt le comte Polo, parce que ici c'était mon territoire, comme je te l'ai dit. Ah bon? Ouais. Polo le comte. Ouais, c'est pas Polo moi, hein. C'était Polo de la Roque. De la Roque, hein. Seigneur Cenarchese, qui avait implanté son territoire jusqu'ici. Et là, un peu partout, il y avait des petits castilles, mais vraiment petits. Hein. Et de là, regarde, la vue imprenable, enfin, imprenable sur une partie. Hein. Mmh. Là, tu as Pinarello. C'est la Sardaigne qu'on voit là-bas. Ouais, là-bas, c'est la Sardaigne, c'est les îles de la Madeleine. Mmh. Donc, il y avait quand même un point de vue, hein. Tu pouvais voir avancer les troupes ennemies. Ouais. Alors, les de la Roque, ils étaient un temps alliés aux Génois, avec Renucci. Renucci, c'était le petit-fils de Paolo. Il était allié et après, par contre, il a plus prêté allégeance à Gênes. Il a changé de camp. Voilà, comme on faisait beaucoup à l'époque. Hein. Ah. Les seigneurs, ils étaient un temps pro-génois, après ils retournaient leur veste, tu vois. Voilà, à chaque fois, c'était comme ça. Enfin, ils avaient des intérêts pour survivre. Alors, ils implantaient leur petite poste avancée, un peu comme ici, tu vois. Et ils observaient toutes ces montagnes. Ils devaient s'ennuyer à l'époque, hein, des fois. Parce que des combats, il ne devait pas y en avoir non, beaucoup. Hein. C'est sûr. Tu voyais arriver les armées génoises, à mon avis, ils venaient même se cacher dans les montagnes. Alors, il y a même des écrits hein, qui attestent que ces petits castels, qui étaient des promontoires rocheux, qui étaient occupés à l'époque de l'âge de bronze, ils ont été reconstruits en 1450. Il y a des écrits ouais, là-dessus. Ouais. Il y avait le castel du Diamant, celui de Petra d'Ourthe, aussi le Cherville. Ouais, c'était les castels des Cenarchese. Je ne savais pas. En tout cas, ici... On est bien, on trône en maître. Dame Louise. Ouais, on domine. Et là, les sentinelles de soldats pétrifiés qui jadis m'ont servi avec courage.